L'exposé de Madame Avoga nous a permis également de nous a permis donc de parler de Koumadjemia comme un affranchissement de la littérature camerounaise par rapport à la littérature occidentale. Vous voyez bien qu'on reste là encore dans le cadre d'une forme de champ culturel. Culture, oui. Théâtre, mieux encore. Comment est-ce que l'écriture d'une histoire qui s'est déroulée aux encablures de la Première Guerre mondiale, comment est-ce que l'écriture d'une histoire qui s'est passée en 1914, date, année de la Première Guerre mondiale, comment cette histoire a-t-elle été écrite aujourd'hui, en 2017? Qu'est-ce qui a changé? Quel parcours est-ce que l'auteur a choisi? Quel est son itinéraire de pensée? Quels sont les maîtres de l'écriture théâtrale? Quelles sont ses lectures? Quelle est la lecture qu'il fait lui-même de l'histoire de Douala Mandapelle? C'est ce qui va nous conduire à entendre l'exposé sur l'intertextualité. Il est question de voir comment des textes qui précède ce texte, donc des hypotextes. Comment des hypotextes sont repris dans le texte de Koumadjemia? Et comment est-ce que ces textes vont servir justement à donner une envergure cathartique à cette œuvre? Comment est-ce que l'auteur réussit à exprimer la culture occidentale et la culture traditionnelle douala en puisant et dans les traditions et dans la Bible et dans l'histoire et dans la littérature française? Voilà un peu la substance de ce que M. Oloa va nous présenter. Qui sont de culture douala, vous levez la main. Et quoi, Moto? Bien, je vous remercie. Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, ce livre-ci est écrit dans une forme de langue étrangère. Cela n'est pas sans me rappeler cette pensée de Marcel Proust qui dit « Les beaux livres sont écrits dans une forme de langue étrangère et sous chaque mot se cache un sens ou du moins un contresens. » Mais dans les beaux livres, tous les contresens sont beaux. Alors, la question, la grosse question, parce que je me refuse à faire l'euphémisme, c'est est-ce qu'on peut lire Koumadjemia sans un renvoi au contexte culturel sawa et le comprendre? Est-ce qu'on peut lire Koumadjemia, la foi inébranlable de Douala Mangabel, figure historique, sans des références, sans un ancrage précis dans l'histoire? Cela me paraît bien difficile. Lorsque Marcel Proust parle de langue étrangère qui donne lieu à des interprétations plurielles, cela laisse voir que pour chacun d'entre nous, suivant votre éducation, suivant votre culture, suivant ce que vous avez vécu et suivant ce que vous connaissez du monde, la lecture que vous ferez d'une œuvre sera différentielle de la lecture qu'un sawa lui-même fera de cette œuvre. Le but de cet exposé, c'est de relever les éléments historiques, les éléments culturels et les éléments bibliques contenus dans cette œuvre et voir leur portée dans l'interprétation de l'œuvre. Ce sera intéressant en quoi? Parce que pour les élèves, en dissertation, en commentaire, vous faites des allusions à des auteurs. Vous faites des pastiches, vous prenez des pensées des auteurs, vous les copiez dans leur structure, dans leur sens, vous paraphrasez, vous citez des auteurs. Quelquefois, on le fait sans s'en rendre compte. Or, on sait tous, les plus belles œuvres sont des œuvres d'imitation. Et les œuvres littéraires se nourrissent d'autres œuvres. Les œuvres littéraires se nourrissent de ce qu'on a vécu, de ce qu'on connaît. Aucune œuvre ne naît de façon ex nihilo. Et lorsqu'on lit Koumadjemia, le sentiment de déjà vu qu'on a en lisant Koumadjemia, l'ensemble des éléments qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ou qu'on connaît déjà,
tous ces éléments sur ce que l'on appelle l'intertexte, sur le rapport qu'on établit entre une œuvre ici et notre connaissance du monde, entre une œuvre et l'histoire, entre une œuvre et une autre œuvre. Bien, l'exposé sera organisé sur quatre plans. Tout d'abord, nous allons relever l'ancrage historique, parce qu'on ne peut pas nier que Ngoum Adjamea, sans faire l'histoire, permet quand même de refaire l'histoire et s'écrit un petit peu, l'auteur écrit Ngoum Adjamea un petit peu avec des archives dans les poches. La seconde partie de notre exposé sera ancrée sur le renvoi culturel, la culture sawa, et quelles sont les possibles interprétations qu'on peut en déduire. Je vais le faire bien entendu avec la bénédiction de Sa Majesté. Et la troisième partie de notre exposé portera sur l'intertexte biblique. Quel rapport peut-on établir entre l'histoire de Douala Mangabel? On a beaucoup entendu parler de martyrs, de sacrifices, de foi avec la Bible. Et enfin, dernièrement, on va donc finalement s'intéresser à l'activité d'écriture. Est-ce que David Manga et Yomwa, finalement, ne fait que dire l'histoire telle qu'elle s'est déroulée? Quelle est sa part de créativité? Quel est ce petit quelque chose qui fait que Ngoum Adjamea soit une œuvre littéraire, donc une œuvre d'esprit? Nous allons commencer avec l'intertexte historique. Madame, je vais commencer par là où vous êtes arrivée. Vous avez dit, je cite, « Ce livre permet aux élèves de mieux connaître l'histoire de leur pays. » On ne peut pas mieux exprimer ce que vous dites là. Ngoum Adjamea historiquement est ancré dans l'histoire du Cameroun. Le premier des événements historiques qui met le Cameroun sur la scène internationale. Et l'événement se passe dans la fourchette 1908-1914. Quoique dans l'œuvre, on parle, l'événement commence à partir de la veille de l'intronisation et finalement au 15 août 1914. On voit quand même une correspondance historique. Mais la partie la plus importante de l'histoire et qui fait finalement toute la trame de l'histoire, c'est celle-là où, après l'intronisation de Douala Mangabel, il est convoqué de toute urgence, juste quelques temps après, il est convoqué de toute urgence par Von Rome dans son bureau. Je vais rappeler très rapidement que le rapport qui existe entre les Douala et les Allemands, c'est un rapport de partenaire, c'est un rapport d'égal à égal, tel que cela est stipulé dans le traité germano-douala qui dit, il y a quand même un des articles très importants qui finalement est violé, qui dit, c'est l'article 3, aucun propriétaire d'une terre ou ce qui cultive une terre ne doit être dépossédé de sa terre, lui est convoqué et sans son consentement, sans se reporter d'abord à la vie du peuple. Voilà, c'est la directive ici. Von Rome lui annonce finalement qu'il y a un projet en cours, non pas qu'on lui demande de participer à un projet qui va se dérouler, mais c'est un projet déjà en cours et qui a déjà le consentement, l'assentiment du Reichstag, qui laisse clairement voir que tous les habitants du plateau de Jos, Bonanjo, du plateau de Jos, seront expropriés. C'est une violation flagrante de l'article 3 du traité germano-douala. Et à la suite duquel, à la suite de cette nouvelle-là, Douala Mangabel, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, et c'est aussi historiquement dit, sauf qu'on ne l'a pas dans l'œuvre, on le verra dans la quatrième partie, il dit, historiquement dans une pétition, il dit, nous sommes des égaux aux Allemands, nous sommes également, je paraphrase comme ça, nous sommes également des partenaires, et rien de ce qui est stipulé dans le traité germano-douala ne laisse voir que les propriétaires des terres, leurs descendants, puissent être dépossédés de ce qu'ils ont. La terre de leurs ancêtres leur appartient et ils ne doivent pas en être dépossédés. À partir de là, tout le problème naît et c'est ce qui construira finalement toute la trame de l'histoire historiquement.
et jusqu'à la fin avec la mort du héros. Je ne vais pas trop m'attarder sur le paratexte historique puisque tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Par contre, si Douala Mangabel s'attache tant à la valeur de la terre, je vais essayer de rappeler également ce que M. Sagnal a dit, ce que la terre ne se vend pas en Afrique et que la terre a une valeur intrinsèque telle qu'elle n'a pas en soi-même une monnaie de change. Ce qui aboutit finalement à nous pousser à évaluer globalement quels sont les éléments historiques qu'on retrouve dans Madjemeya et qui pourraient nous aider à mieux appréhender cela. Je vais commencer par des éléments liés à la pratique culturelle, des éléments liés aux cérémonies. Tout à l'heure, le modérateur a dit « Ikwamoto ». Les gens ont répondu « Oh !» C'est une pratique conversationnelle propre à des cérémonies. C'est une pratique conversationnelle qui établit le contact entre celui qui parle et celui à qui il s'adresse. Et également à ce niveau-là, c'est une forme quand même subtile d'écriture qui laisse voir que David Banga ne reste pas dans les cadres stricts du classicisme où tout se fait sur un jeu de réplique, où on n'a pas besoin de prendre, de déjà dire quelque chose sans avoir à demander la parole. Et par ricochet aussi, le respect, l'élément culturel que M. Sagna évoquait tout à l'heure, le respect des aînés, le respect des ancêtres s'exprime à travers cet élément culturel lié à la prise de parole et qui, d'un point de vue théâtral, rentre quand même dans un jeu de dynamique de la parole. Le second élément culturel que nous allons évoquer ici est un élément surtout lié au rite. À quel point le rite est important, à quel point le rite nous lie à quelque chose d'indéfectible. Après l'initiation, tout juste avant l'initiation de Douala Mangabel, il est allé au caveau. On l'a dit pour prendre la bénédiction. Et tout juste après cette scène-là, il s'est fait initier et on est passé par le rite de l'Essa. Et Sa Majesté a précisé, ce n'est pas un rite qu'on pourrait prendre à la légère. Le rite de l'Essa où on vient confesser ses péchés et après lequel on donne la bénédiction à Douala Mangabel, c'est un rite qui en soi-même profondément laisse déjà voir à partir de cette scène-là toute la détermination à mener le combat de Douala Mangabel jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe dans ce rite culturellement? À la fin, une fois que Douala Mangabel est presque immobilisé, avant cela, il y a un tout petit rite vraiment important qu'il faut relever, c'est celui de l'hôte. Je sais que tout le monde sait ce que c'est qu'une hôte. H-O-T-T-E-S. Tout le monde sait ce que c'est chez les élèves. C'est une sorte de panier qu'on tisse et qu'on porte au dos comme ça. Dans la culture védique, on retrouve cela. Oui, Douala Mangabel, on lui met une hôte au dos. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend des épices, on met dans la hôte. On prend beaucoup d'autres éléments, on met dans la hôte. Et le notable qui fait la cérémonie lui dit, cette hôte symbolise ton fardeau. On y met les bonnes choses, on y met également les mauvaises. Si tu acceptes de porter cette hôte, alors tu acceptes de lutter pour la sécurité des Douala, tu acceptes de lutter pour la paix et tu sacrifies tes intérêts personnels pour les intérêts de ta communauté. Cela revient très clairement, vraiment évoquer le titre de cette œuvre, même la foi inébranlable. Et c'est à partir de cette foi-là, de ce rite-là, que Douala Mangabel acquiert véritablement sa foi. Auparavant, il n'était pas du tout attaché par une quelconque parole. À partir de ce moment, Douala Mangabel devient un ngoum, comme l'a dit Sa Majesté. Au-delà donc de l'intertextualité culturelle uniquement propre au peuple Douala, nous avons quand même une intertextualité culturelle liée à la littérature écrite occidentale, mais également à la littérature orale. Ça, c'est Douala Mangabel qui utilise. Quand Von Rohr annonce à Douala Mangabel qu'ils seront dépossédés de leur terre, voici la parole toute simple que Douala Mangabel donne à Von Rohr, parce que Von Rohr lui dit, n'oubliez pas, la force prime le droit. Lorsqu'il le fait très clairement, Von Rohr est en train de se refuser à respecter les clauses du traité germano-douala. Et Douala Mangabel lui dit, en sage africain, aussi petite soit-elle,
La fourmi a des entrailles et ce qui est à elle ne s'arrache pas. C'est un élément lié à l'ancrage culturel qui laisse voir, quand je reviens là-dessus, que la terre ne se vend pas et que le peuple douala est un peuple leader. C'est un peuple fort, tourné vers l'avenir. Ce n'est pas un peuple asservi et esclave. Bien, au-delà de cela, nous avons également une mise en garde donnée à travers des éléments de l'oralité, toujours. Parce qu'une fois que Douala Mangabel rentre de Chefon Rom, il rassemble son état-major du Ngondo, il annonce à son état-major, il leur dit, j'ai été démis de mes fonctions de supérieur. Mais il ajoute, vous restez ferme et poursuivez votre combat. Lorsqu'il le dit, il y a un personnage qui lui répond, nous aussi, nous allons nous faire démettre de nos fonctions, parce que l'éléphant n'abandonne pas ses défenses. Encore une position d'opposition, une position de résistance. Mais on sait tous que dans cette œuvre, tout juste après la réunion, quelques paroles de la réunion, quelques secrets de la réunion sont rapportées à Niedermeyer, qui va l'utiliser plus tard contre Douala Mangabel. Et Douala Mangabel sort cette parole proverbiale-là, où il dit « Qui pactise avec le diable finit en enfer ». Malheureux celui qui croit qu'en trahissant un patriote, il deviendra quelqu'un d'autre. Et il ajoute, aussi longtemps qu'un bois sec est dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Parce que lorsqu'il se refuse à prendre les 300 000 marques par fierté culturelle, par attachement à ses racines et à sa terre, Von Rom lui dit, vous trahissez l'Allemagne, vous qui êtes allemand. L'opposition culturelle encore à ce niveau s'exprime à ce niveau. Et un peu plus tard, il se fait arrêter malgré tout, parce qu'il y a une instruction, un jugement rapide qui se fait. Et quand le jugement rapide se fait, le juge et toute sa clique, Von Rom et tout le beau monde qui accuse Douala Mangabel et Ngossodi, ce juge-là avance des arguments qui ne parviennent pas à justifier. Et Douala Mangabel prend le contre-pied en utilisant des éléments culturels, puisque Douala Mangabel a été, on l'a dit, étudiant quand même. En Allemagne, il prend des éléments culturels liés à l'écriture, à la littérature occidentale, et il dit « La loi du plus fort est toujours la meilleure ». Cette partie qu'il cite, c'est de La Fontaine, dans « Le loup et l'agneau ». Tout le monde devrait savoir cela. Cette citation qu'il prend de La Fontaine laisse déjà voir de l'injustice des Allemands, c'est très important pour l'interprétation, laisse également voir de la vacuité des arguments et du refus des Allemands à suivre la justice. Les Allemands ne seraient pas différents des Anglais, ils ne seraient pas différents des Français, parce qu'en vérité, ils se seraient entendus. Voilà pour ce qui est de l'intersexualité culturelle. On retrouve des éléments autant africains que des éléments liés à la culture occidentale. Oui. Maintenant, un dernier élément lié à l'intersexualité biblique, c'est le rapport que je voudrais qu'on puisse établir. C'est vrai, c'est un peu lointain, entre Douala Mangabel, un personnage très important de la Bible, le Nouveau Testament, Jésus. Douala Mangabel, me direz-vous, n'est pas Jésus, mais Douala Mangabel était roi comme Jésus. Un premier rapport. Après que Douala Mangabel eut été démis de ses fonctions, il organise, il rassemble son état-major, il leur donne des consignes, et je rappelle cette réplique toujours, à la fin, il dit « Restez déterminés et fermes ». Moi, cela me rappelle quand même le dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples et les consignes qu'il donnait pour après sa mort. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un peu plus tard, c'est à partir de là, tout juste après la réunion, que le calvaire de Douala Mangabel commence, et je mets ces majuscules à calvaire pour le mettre en lien direct avec le calvaire de Jésus-Christ. Il est écroué en prison, il est jugé sans aucune raison, il n'est pas écouté, et on lui demande carrément de trahir les siens, de les abandonner au profit de ses intérêts. Le même chemin est un peu suivi par Jésus, à qui on a demandé de refuser, de finalement dédire ce qu'il avait dit. Plutôt qu'il était le roi de roi, de dire simplement qu'il était un simple homme. Douala Mangabel avait l'occasion de fuir, de s'échapper, de sauver sa vie à lui tout seul. Il est quand même resté. Mais avant qu'il ne soit, qu'on lui annonce qu'il va être tué, qu'est-ce qu'il dit après la scène que les élèves aient jouée ici? Il reste, une fois que sa femme est rentrée dans la chambre, il dit, « Mon Dieu,
quelle épreuve. Il a pourtant l'occasion de fuir, mais il reste et il dit, mon Dieu, quelle épreuve. Jésus sur le mont des Oliviers, dernière prière qu'il adresse à Dieu, tout juste avant qu'il ne soit amené sur sa croix. Un rapport vraiment très clair. Et à la fin de son histoire, encore le dernier rapport, l'idée du martyr et du sacrifice et de la mission messianique de Douala Mangabel, c'est celui de la dernière scène où il dit à Anne Jobel, restez unis et solidaires, que notre sang ne coule pas en vain, donnez à notre sang le prix qu'il mérite. Sa mort contre la liberté, contre la fierté de son peuple, la mort de Jésus pour notre rédemption. Alors, le combat de Douala Mangabel serait le combat de Dieu. Voilà pour ce qui est de l'intertextualité biblique. Historiquement, il est vrai, on peut reconnaître que, en nous intéressant au personnage, nous avons Ngomé, qui est un personnage historique, qui était véritablement la femme de Douala Mangabel. Douala Mangabel lui-même, Ngossa Ding, mais il y a quand même cette liberté de création, de l'imagination par rapport aux autres personnages qui n'existaient pas. Ah, c'est pour ce qui est de la fiction, de la créativité de l'auteur. Mais nous avons également, par rapport à la forme d'écriture, nous avons cette liberté et ce rapport qu'on peut établir entre l'écriture théâtrale et quand même culturelle de Ngom Ajimiya et l'écriture du théâtre classique. Nous avons ce jeu de dynamique entre celui qui raconte l'histoire, l'image du griot qui raconte et qui va être encouragé par l'auditoire. Et quoi moto? Les gens répondent. Et quoi moto? Les gens répondent. Ce genre de dynamique qui rapproche Ngom Ajimiya aux contes africains, à nos cultures. Je vous remercie beaucoup, messieurs.